des chants et des cris qui traduisent la joie d'une communauté. Nous sommes au camp des déplacés internes de Katanika à Kalemi, dans la province du Tanganyika, au sud-est de la République démocratique du Congo. Ce site compte plus de 40 000 personnes, dont 13 000 jeunes et 12 000 femmes en âge de procréer, avec des grossesses attendues et leurs corollaires de complications. Pour apporter une réponse à ces problèmes, le Fonds des Nations Unies pour la population vient d'aménager une clinique mobile pour permettre à ces populations déplacées de recevoir les soins de qualité. Nous sommes donc ici en train de lancer la première d'une série de 20 cliniques dans les camps des déplacés, très proches des déplacés. Et comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de mamans ici. La majorité de ces femmes-là sont les femmes enceintes. Elles vont désormais bénéficier de la consultation prénatale, de l'accouchement assisté par personnel qualifié, ainsi que les services de planification familiale. La clinique mobile à Baraka, qui signifie bénédiction, porte bien son nom. Son histoire remonte à février 2018, alors que le site venait à peine d'être aménagé pour des populations fuyant les conflits communautaires. La coordonnatrice humanitaire de l'ONU avait conduit une visite de terrain dans ces sites. Le constat était amer. Des femmes accouchées seules dans leur hutte, à même les sols, car n'ayant pas de maternité à côté. Benzetu makambi banateseka banalala chini banazalia chini lakini sisi tunapata neema kupata hiyo nje ya kutuletea hospitali ya kwa bure. Tunashukuru Mungu tunabebea mimba mkatanika na hivi tunazala na hospitali hatukulipa hata sanfra na mtoto wangu huyu niko naye kwa mikono na mshukuru Mungu sana sikulipa hata 50 francs meme hata 10 francs. Le représentant de UNFPA avait alors proposé la solution innovante de mettre une clinique mobile sur le site pour offrir des soins adéquats aux femmes enceintes. Un plaidoyer a été fait auprès de l'ambassadeur du Canada qui a apprécié l'idée et a octroyé des financements pour la réponse humanitaire. C'est un excellent exemple de collaboration entre les autorités, les agences des Nations Unies et les gouvernements bailleurs comme le Canada et la Suède qui est avec nous. Donc vraiment, c'est formidable. Je suis très heureux de voir que ces femmes ont une meilleure situation et que leurs enfants vont pouvoir naître dans des conditions idéales. Pour une réponse conjointe efficace à la situation humanitaire dans cette zone, le PAM, la FAO et Oxfam se sont associés à UNFPA en apportant des vivres et des intrants agricoles, mais aussi de l'eau, pour aider les femmes enceintes et celles qui accouchent à vivre dans des meilleures conditions. La MONUSCO a mis à disposition son expertise pour monter la clinique. Et la Suède, à travers son programme, a contribué à renforcer les capacités des sages-femmes. C'est une première dans notre province. Vous voyez, les femmes étaient en train de s'accoucher par terre, d'autres mouraient en cours de route en effectuant des longues distances. Moi, je suis vraiment honoré et je tiens vraiment à remercier très sincèrement du fin fond de mon cœur les partenaires qui nous aident. Les services de santé couplés à la sensibilisation, c'est l'autre partie de l'innovation. À la clinique mobile, UNFPA associe la ciné mobile pour informer les populations sur les questions de santé sexuelle et reproductive, mais aussi pour servir de cadre de divertissement pour les jeunes. Le site de Katanika est le plus vaste sur le 14 installé dans la ville de Kalemi et sa périphérie. UNFPA, dans sa vision de « ne laisser personne derrière », est en phase d'installer plusieurs autres cliniques mobiles dans certains de ses sites pour toucher, transformer et sauver des vies des adolescentes, des femmes et aussi des jeunes.